Il nous a pas dit, nous sommes au mois de jamais que Dieu nous aurait le jour, le mois, pourquoi lui n'est pas dans le et non la Europe et en Europe. Dans le nord-ouest, c'est Dieu. Et on ne peut pas pas de jour, pas de de ou quoi de louange pour parole. Ne raisonne pas, ne cherche pas à savoir comment tu vas concevoir le Saint-Esprit d'être à tout couvrir de son ombre. Et donc, chacun de nous est venu, non pas par son intelligence seulement, mais parce que, activé par le Saint-Esprit, on est consacré aujourd'hui à Dieu. Et pendant que tu es consacré, est-ce que as-tu grandi? Et par des paroles simples, des exemples simples, je disais dimanche dernier, sais-tu que Dieu nous pèse? Et on a vu ce verset dans Daniel 5 à partir du verset 27. Et s'il te pèse, est-ce qu'à la fin, est-ce que tu as pesé plus? Et j'ai donné cette image d'un petit bébé qui naît, il va peser tant de kilos. Mais si 12 mois après, il est né le 1er janvier, il pesait 2 kilos. Et on est au mois de décembre, il continue de peser 2 kilos. Il y a problème. La joie qu'a suscité la naissance de ce bébé va se transformer en tristesse. On va poser la question, pourquoi n'a-t-il pas grandi? Pourquoi n'a-t-il, il est resté à 2 kilos, alors que tous les enfants qui sont nés, même après lui, ont grandi. Et spirituellement, c'est pareil. Il faut que nous nous interrogions, pourquoi est-ce que nous ne grandissons pas? Pourquoi sommes-nous rabougris? Pourquoi sommes-nous dégâtis? Pourquoi nous ne bougeons pas? Pourquoi nous n'avons pas de croissance? Sommes-nous anorexiques spirituellement? Et je vous ai chanté ce petit cœur. Lis ta Bible, priez chaque jour, priez chaque jour, priez chaque jour. Lis ta Bible, priez chaque jour, si tu veux grandir.
Mais si au 1er janvier, au 31 décembre, je suis obligé de le répéter en tant que berger, c'est ma responsabilité. Est-ce que tu as grandi? Et si tu n'as pas grandi, il y a problème. Es-tu anorexique sur le plan spirituel? Et ce matin, c'est pareil. Il y a un mot que cet esprit m'a mis à cœur ce matin, avant que nous prenions la Sainte Cène ensemble. Cet esprit me faisait voir quelque chose. Que avant qu'un miracle soit déclenché dans ta vie, quelque chose d'impossible, c'est ça le miracle, hein? Quelque chose où tu ne concevais pas, avant que ton miracle soit déclenché, avant que le miracle soit déclenché dans la vie de ta famille et même de ton peuple, il y a quelque chose à faire. Ce n'est pas simplement la prière, ce n'est pas simplement la foi, mais il y a quelque chose que Dieu attend de toi. C'est quoi? C'est ça que j'annonce ce matin comme direction du Saint-Esprit. Ta bonne décision, gardez le mot décision, ta bonne décision déclenchera ton miracle. Amen. Je répète, ta bonne décision déclenchera ton miracle. Et le Saint-Esprit me faisait voir ces quatre lépreux. Il y avait cette famine sur la terre. Jamais il n'y a eu une telle famine. À terre, on enseigne que une femme a marchandé avec une autre de manger son enfant et le lendemain, on allait manger l'enfant de l'autre. Jamais il n'y a eu une telle famine. Les ennemis ont pris la frontière. Le pays était encerclé. Samarie était encerclée. Mais les quatre lépreux ont pris une bonne décision. Ils disent, si on rentre dans notre ville, bon, où on est interdit, il n'y a pas de quoi à manger. Il y a de quoi à manger de l'autre côté des Syriens. Mais si on reste là, vous voyez, il faut du raisonnement. Si on reste là, on va mourir. On va prendre la décision, mieux vaut aller. Et c'est cette bonne décision, alléluia, qui va déclencher le miracle. Après la décision, quand il faisait un pas, un deuxième pour aller dans le camp de Syriens, Dieu a fait retentir ce pas comme une bombe. À telle enseigne que les Syriens ont pensé que c'était des bombes qui commençaient à tonner, ils ont pris la fuite, une dissuasion militaire comme il n'y en a jamais eu. Et après, tout le peuple en a profité. Tout le peuple en a profité. Ta bonne décision déclenchera ton miracle. Et en ce mois de décembre, ça voulait dire que si tu n'as pas vécu le miracle dans ta vie, c'est une des raisons. Je ne dis pas que c'est la raison. Mais le Saint-Esprit dit peut-être que tu es en train de t'attendre à Dieu et Dieu aussi t'attend. Il y a une décision que tu dois prendre, mais tu n'as pas pris. Et pendant que tu dis, mais Dieu, je l'ai vu encourager. Tous les dimanches, il y a des témoignages ici. Mais, et moi, ça ne se passe pas. Le palais de bénédiction circule, mais pas dans ma vie. Et Dieu te répond clairement. Une des raisons, peut-être, assurément, certainement, que Dieu attend que tu fasses prendre une décision et tu ne l'as pas prise. Il attend cela. Dieu n'est pas un violeur. Il respecte notre liberté. Amen. La liberté n'est pas un concept de droit nomique. C'est un concept divin. Adam, Ève, obéissez-moi si vous voulez. Voilà le signe de la liberté. Voilà le statut de liberté qui a été planté, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où vous ne voulez plus m'obéir, je ne veux pas vous rebaptiser. Je vous fais libre. Si vous voulez m'obéir, alors vous vivrez éternellement. Mais si vous voulez désobéir, alors mangez cet arbre et vous connaîtrez la mort. Et un jour, ils ont mangé. C'est pourquoi la liberté est dangereuse. Elle est tellement dangereuse. Il faut savoir la manier pour que nous restions toujours dans le sens de l'éternité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est cela. L'indécision, je vais vous lire le verset après, David a dit, je hais les hommes indécis. Il dit ça. L'homme selon le cœur de Dieu. Je hais les hommes indécis. Je vous donnerai les références après. Pourquoi?
Parce que si tu ne peux pas grandir, la principale cause c'est l'anorexie. Quand tu ne peux pas dessiner, un des virus principaux, ça s'appelle la procrastination. Tu procrastines. Tu remets toujours au lendemain. Il y a des gens, leur miracle est là. Et je parle souvent de mes fils, les garçons. Dieu veut faire un miracle pour qu'ils puissent avoir une famille, se marier, avoir une famille, servir Dieu. Les garçons sont toujours là. Les filles leur disent, oui, mais on vit ensemble. Veux-tu te marier avec moi? Les garçons ne veulent pas te marier. Ils sont indécis. Ils procrastinent, ils procrastinent, ils procrastinent, ils procrastinent. Ils vont vivre comment le plan de Dieu. Dieu n'a pas fait, sauf son manque de connaissances, le monde comme une collection d'individus. Dieu a fait le monde sur la base de la famille. Amen. Adam et Ève. Et il a dit, oui, multipliez-vous. Ça relève d'une exception lorsqu'on reste seul. Il faut avoir un don. Le don du célibat, mais compter sur les doigts d'une main. Quelqu'un qui a le don du célibat, dont l'a connu qu'une. Une femme de 58 ans, une missionnaire que j'ai connue, qui a quitté l'Est de la France à Metz et qui servait dans une librairie chrétienne au Tchad. Et qui m'a parlé de ça. Il a dit, je crois vraiment avoir reçu de Dieu ce don de célibat. Mais mis à part cette femme, je ne connais pas. Attention, je cite cet exemple-là. Il y a des choses que tu dois décider, mais tu ne décides pas. Il y a des gens où Dieu a voulu un miracle pour qu'ils puissent avoir leur logement, ils puissent avoir ceci ou cela, etc. Et tout. Mais il n'y a pas une décision qui se prend. Savez-vous qu'il n'y a aucun acte que vous posez sans que ça soit décidé dans votre cœur? Si vous insultez quelqu'un, c'est que vous l'avez conçu hier. Tout vient du cœur. Tout. Vous concevez quelque chose dans votre cœur et après, l'ordre est donné par le cerveau qui va pouvoir acter ce qui est déjà décidé. Et si vous ne décidez pas la chose, mais ça ne peut pas se faire. C'est pourquoi que l'indécision, c'est le plus grand acide de la foi. Car qu'est-ce que c'est que la foi? C'est cette ferme assurance de quelque chose qu'on espère avant de le voir. C'est cela. On est indécis. Ou alors, on prend la mauvaise décision. Donc l'indécision et la mauvaise décision sont également dangereuses. Il faut la bonne décision, c'est quoi la Bible dit? Ne t'appuie pas sur ta sagesse, confie-toi à l'Éternel, il va t'inspirer. Nous allons voir deux cas seulement ce matin. Et le message que le Seigneur me met à cœur, je l'aurais déjà transmis. Le premier cas, c'est ce garçon qui a pris une mauvaise décision alors que tout est parti pour qu'il ne puisse pas prendre une mauvaise décision. Mais il a pris une mauvaise décision. Il s'agit de qui? Il s'agit de cet homme qui avait deux fils. Et un jour, il va leur parler. Il a dit, mais coucou, vous êtes mes deux garçons. Je voulais vous informer que je n'ai pas un autre héritier. Je n'ai pas fait un enfant dans le dos de votre maman. Je n'ai pas un enfant dans le quartier. Pour que si je meurs aujourd'hui, on vient dire que voilà, il a tel enfant, on est habitué à cela. Hein? On est habitué à ça. Dès qu'il y a mort, on se rend compte, ah tiens, le papa avait d'autres enfants. Et cet homme, il a voulu prévenir cet enfant. En disant, je vous le dis, je vous certifie que vous êtes mes deux héritiers 1.3. Et mes biens sont divisés en deux. Et je fais le calcul de tous mes biens, ça fait 2 millions d'euros. Tu as 1 million, ton grand frère a 1 million. Mais je vous assure, à l'annonce de cette info, le petit frère n'a pas dormi. Il a cogité toute la nuit. Et le lendemain, il dit à papa, mais je veux revenir sur ta fête d'héritage. Moi, je ne veux pas attendre que tu meurs. Hein. Je veux tout de suite que tu me crédites. Mais ma part d'héritage, c'est une mauvaise décision. Parce qu'elle est poussée par le matérialisme, on le verra tout à l'heure. Puisqu'on l'a surnommé prodigue, la prodigalité, c'est une tendance excessive de dépense. Il veut dépenser, il veut faire la vie, il veut filmer,
Il veut rouler dans de belles voitures. Il veut faire la grande vie. C'est charnel, tout ça. Au lieu d'utiliser l'héritage de son père, et il dit, ah, j'ai déjà un héritage, ça me fait un matelas de secours. Je vais quand même aller à l'école, je vais travailler, je vais gagner quand même ma propre vie. Comme mon père m'a légué, je vais léguer aussi ça à mes enfants venant de moi. Au moins, il serait fier. Mais lui, non. Quand on lit le texte et quand on fait l'exégèse, pardon, ange, Luc chapitre 15, verset 11-20, voilà, on connaît tout ça, hein, on n'a même pas besoin de le lire. Hein. Mais ce qui est important, c'est que le Père, dans un homme de bien, il y a accédé. Il y a accédé de son vivant, cet homme. Il a dit oui. Et il a crédité son fils cadet. On continue, verset 12. On continue, verset 13. Il a partagé, un peu de jours après, le jeune fils, ayant tout ramassé, donc il a constaté que c'était bien crédité dans son compte, il partit pour un pays éloigné, peut-être à 10 000 km, combien de kilomètres, je ne sais, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Voyez, la débauche, c'est quand quelqu'un ne prend pas un petit verre de whisky. Hein. Mais il arrive, il a dit, vous voulez du champagne? Prenez, oh monsieur, on ne te connaît pas, prenez champagne, je suis riche. Vous achetez tout à quelqu'un, c'est la débauche, il boit, il... voilà. Verset 14. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays lointain, là où il se trouve, et il commença à se trouver dans le besoin. Verset 16, il alla se mettre au service d'un habitant du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux, les cochons, les porcs. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient ses pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Personne. Verset 18. Étant, si je vous demande de souligner ça s'il vous plaît, étant rentré en lui-même, vous voyez, il commence à voir le danger. Un peu comme les quatre lépreux, ils sont entrés en eux-mêmes, ils ont conversé entre eux. Comment allons-nous faire? Il se dit, combien de mercenaires c'est employé, hein, c'est oublié. Voilà, mercenaire c'est quelqu'un qui fait quelque chose qui va tuer quelqu'un pour qu'on puisse le payer. Voilà, c'est, ça veut dire salarié. Combien de salariés chez mon père ont du pain en abondance et moi ici, je meurs de faim. Verset 18, s'il vous plaît, c'est ça la décision. Avant d'aller voir comment est-ce que, parce qu'on va pas le lire, le père qui a couru, qui l'a attrapé, jusqu'à entraîner la jalousie de son grand frère qui, lui, est resté sage, n'a pas perçu le... C'est ça que ça s'est passé, verset 18. Qu'est-ce qu'il a dit? Décision. Je me lèverai. Deuxième décision. J'irai vers mon père. Troisième décision. Et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Verset 19. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Stop. Le reste, vous lirez à la maison. Ça, ça a déclenché le miracle. Et c'est là l'histoire de la plus grande histoire d'amour d'un père envers son fils que Jésus nous raconta à travers cette image du fils prodigue. Vous voyez que sa bonne décision a déclenché le miracle au ciel. Deuxième exemple, pour vous montrer que c'est facile de dire prendre une décision, mais dans la réalité, c'est pas facile, parce que il faut monter en soi-même, hein, et on va lire Esther chapitre 4, Esther chapitre 4, à partir du verset 8, pendant qu'on cherche un arrêt rapide, qui est Esther? Esther, c'est bien sûr notre chante, hein, mais il ne s'agit pas d'elle. Esther, c'est cette fille juive que son oncle Mardoché a amenée avec lui
Et lorsque la reine Vashti a eu des problèmes avec le roi a voulu avoir une autre reine, une femme, Esther a été choisie. Et puis voilà que un jour, un certain Haman, un monsieur, c'est pas, ça ne date pas d'aujourd'hui, hein, ceux qui veulent la mort des Juifs, hein, a voulu exterminer tous les Juifs du pays. Il a fait un édit et il est allé faire signer ça au roi en disant si on tue tous les Juifs là, il a donné même le montant de la somme qu'il va avoir. Donc, on n'a pas le temps de lire tout ça. Hein. Voilà. Parce que lorsque le pasteur prêche, après la louange, ah là, il a un long message. Vous allez lire à la maison. Allez, taquine ma modératrice. Hein. Mais je vais être très court. Vous lirez à la maison. Mais là, il est dit que les Juifs voulaient mourir. Et puis, ce Haman là dit que si on tue tous les Juifs, on va prendre tous leurs magasins, je commande, on aura tant d'argent. Et ça va rentrer dans l'économie du pays. Et le roi dit oui. Et Mardoché, en tant que juif, il a appris ça et il va se rendre. Il a mis des sacs sur lui, il va se rendre auprès de sa nièce pour dire, mais va dire au roi qu'il y a quelque chose qui se trame. Qui se trame parce qu'on va nous exterminer tous. Hein, et il va faire envoyer une copie de l'édit publié dans Suse en vue de leur destruction pour montrer à Esther, pour faire tout connaître Esther. Et il ordonna qu'Esther se rendît chez le roi pour lui demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Qu'est-ce qu'il a dit? Il veut qu'Esther prenne une décision d'aller dire au roi, ah, on est menacé de mort. Mais cette décision, elle ne pouvait pas la prendre. Et elle va lui dire pourquoi. Verset 9, on va chercher cette raison. Verset 10. Esther chargea Attac d'aller dire à Mardoché, verset 11, tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi, cher oncle, portant peine de mort contre quiconque homme ou femme qui entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Il faut que le roi t'appelle, tu ne peux pas rentrer sur le roi comme ça. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. On laisse à 2 secondes, c'est un dispositif de sécurité. C'est-à-dire que lorsque le roi est là, personne ne doit rentrer sur lui comme ça. Si lui, il a besoin, par exemple, d'appeler Oana, il va dire, appelez-moi Oana. Et lorsque, bam, la porte s'ouvre et qu'il voit une femme qui rentre, le roi, il a une canne. Et s'il voit que c'est Oana, il soulève le sceptre, ses gardes-corps ne tirent pas sur cette personne. Mais s'il voit que ce n'est pas la personne qui l'a demandé, il ne lève pas le sceptre, c'est fini. La personne est immédiatement mise à mort. C'est un coup d'état. Et donc, Esther va expliquer à son oncle, je veux bien prendre cette décision, mais ce n'est pas parce que je suis reine. Même quand même que je sois reine, je ne peux pas rentrer comme ça parce qu'il est mon mari. Comme il n'a pas demandé à me recevoir, si je rentre sur lui comme ça, mais à un risque, s'il ne soulève pas son sceptre, je serai mis à mort. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a des décisions qu'on ne peut pas prendre parce qu'il y a une raison objective, une raison qui est apparente. Celle-là, elle est même législative. Elle est royale, elle est majestueuse. Elle est là. Et Mardoché ne va pas tenir compte de ça. Verset 12. Lorsque les paroles d'Esther auraient été rappelées à Mardoché, verset 13, Mardoché fit répondre à Esther, tu as raison, tu ne peux pas décider. Donc, cette prédication n'a pas de sens. Parce qu'il y a des décisions qu'on ne peut pas prendre parce que la loi a été dite. Donc, faux. Faux. Mardoché fit répondre à Esther, comme une remarque, ma nièce, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. On va venir nous tuer tous et pas toi. Verset 14. Car si tu te tais,
Je paraphrase, si tu ne prends pas cette décision d'aller voir le roi, le secours et la délivrance surgiront d'autre part, quelquefois, pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait, chère nièce, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Amen. Tu es devenu reine, comment tu es devenu reine? Pauvre immigré, je t'ai amené dans ce pays, je t'ai nourri. Et jusqu'à ce que tu sois devenu reine, tu vas l'oublier. Parce que tu as maintenant un mari qui est roi. Mais attention, notre secours surviendra de quelque part. Et toi, ne pense pas que tu seras au chaud. Parce que quelque chose va t'arriver. Et qui sait, tu es devenue la femme de ce roi. C'est peut-être pour nous sauver, parce que c'est marqué. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Ne regardons pas notre nombril, à notre nombril. On est auto-centrique, nombriliste. On voit comment ça marche bien. Et donc je ne tiens pas compte de ce que je suis devenu, de là où je viens. Il fait la remarque à sa nièce, verset 15. Esther envoya dire à Mardochée. Elle est touchée. Verset 16. Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse. Et, s'il vous plaît, jeûnez pour moi. Oui, il y a des décisions que tu ne peux prendre que par le jeûne et par la prière, que tu sois soutenu pour prendre cette décision. Parce que ce n'est pas facile. Jeûnez pour moi, sans manger ni boire. Ce n'est pas comme nous, ma soeur Daniel. Frères anciens, hein, eux, ils n'ont pas laissé la vie, voilà, ni manger, ni boire, diminuer sur votre manger, buvez, ou non. Sur les trois jeux qu'ils ont imposés, sans manger, ni boire, pendant trois jours, ni la nuit, ni le jour, même pas une soupe la nuit, moi aussi, je le ferai. Je jeûnerai de même avec mes servants. Puis, j'entrerai, alléluia, la décision est prise. Puis je vais ouvrir la porte du roi, je vais y entrer, malgré la loi. Malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Waouh! Mais il y a des décisions où tu sens que si tu prends cette décision, tu perds tout. Hein. Imagine, tu vis avec un homme qui est marié, il est riche. C'est lui qui te paye ta maison, qui te paye tout. Et on te dit non, c'est un péché. Attends ton mari qui vient de Dieu. Tu dis, mais si je lâche cet homme, je perds tout. Vrai ou faux? Même si vous ne dites pas vrai, c'est toujours vrai. C'est comme ça. Hein? Si je dois périr, je périrai. T'as des décisions, quand tu prends cette décision, tu dis, aïe, ça va me faire périr. Mais il faut la prendre. Et là, on voit le réma. Là, il a dit, je rentrerai chez le roi, malgré la loi. Si je dois périr, je périrai. C'est pour vous dire que ce qui bloque nos décisions, c'est la peur de perdre quelque chose. La peur de la mort même. La peur de périr. Les quatre lépreux ont dit, nous allons y partir, quitte à ce qu'on périsse, on reste là, on va quand même périr. Il y a rien à manger. Donc allons-y. Le fils prodigue, s'il reste, il dit non, je vais mourir. Je ne peux même pas manger les carouches. La nourriture des cochons, je ne peux pas. Non. Je ne suis plus considéré comme le fils de mon père, mais je vais être simplement son salarié. Ce n'est pas possible. Je vais quand même. Il a pris sur lui. Et là, Esther dit, si je dois périr, je périrai. Stop, le reste, vous lirez à la maison. Mais c'est beau, ce texte. Vous allez voir ce qu'on appelle la déprogrammation. Quand il a pris cette décision, waouh! Mais les intrigues, les machinations secrètes que Amman a tissées, le décret était signé, publié sur toutes les publicités de la ville, etc. Les juges étaient déjà faits. Je vous assure, quand vous lisez ça, comment est-ce qu'on a eu Amman? Il a même dit à Dieu, au roi, je fais un festin, est-ce que je peux inviter Amman? Amman venait comme ça,
voilà orgueilleux, en disant, il va voir ce Mardoché là qui ne me respecte pas. Il avait Mardoché vraiment en haine. En haine. Et là, il s'est fait avoir tout simplement. Quand vous lisez ça, on vous donne un magret de canard à manger. Il faut finir la lecture de ça avant de mourir. Mais c'est bon. Comment est-ce que les intrigues de Haman ont été vraiment déprogrammées? Il s'est fait avoir jusqu'à ce qu'il soit pendu. Et le peuple est sûr. Le peuple a été sûr. Mon message est terminé. Je voulais simplement te dire, je ne veux pas plus. Je veux simplement te dire, s'il te plaît, c'est l'enseignement de la parole de Dieu. Regarde à ta vie, ne regarde pas à la vie de l'autre. Un, as-tu grandi? Dimanche dernier, ça continue. Tout ce mois, réfléchis à ça. Deux, est-ce qu'il y a eu des décisions que je dois prendre que je n'ai pas prises? Par procrastination. Décision deux. Et si tu as dit, mais j'ai pris une décision et ça a mal tourné, oui, mais est-ce que tu l'as pris en te basant sur ta propre sagesse? Ou tu as compté sur l'Éternel pour pouvoir le prendre? C'est ça le message hein, de ce matin. Je vous demande de vous lever.